Tonight has become the day. They're sending you far away. So, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my we
Toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Peace.
Et je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps, mais finalement je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi? De paix, ou bien le fait de violence. Quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Serait-ce un signe de paix, ou bien le fait de violence. Quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Il s'en va. You're gonna battle, you're gonna fight. Win or lose, you're gonna be alright. Regardless of the scoreboard, you can do anything that you work for.